cume mi caro ni la gioion festas nur nec rivero nec montaro plu. Bonjour Robert Philipson. Bonjour madame. Vous êtes à Paris aujourd'hui suite à la parution du livre La domination de l'anglais, un défi pour l'Europe, traduction de votre livre English Only Europe, Challenging Language Policy, en français. Comment vivez-vous ce moment-là? Je suis ravi que le livre paraît en français parce que ça montre qu'il y a des personnes en France qui prennent la chose des politiques linguistiques au sérieux. Et le premier chapitre de mon livre, en effet, s'occupe du fait que dans beaucoup trop de contextes, on ne prend pas la question des langues au sérieux pour essayer d'assurer que, surtout dans l'Union européenne, mais même aussi dans les pays membres, on est conscient du fait qu'il y a des défis pour la survie de langues autres que l'anglais. Merci. Donc, cette traduction a été faite 16 ans après la parution de votre livre. À l'époque, déjà, vous alarmiez ou vous étiez inquiet de la situation de la diversité linguistique et culturelle au sein de l'Union européenne. Justement. Comment expliquez-vous qu'il ait fallu 16 ans pour que votre livre soit traduit? Parce qu'il n'y a pas de personnes, des individus ou bien des offices qui prennent ça au sérieux. Dans la plupart des États membres de l'Union européenne, et également dans les institutions européennes, surtout la Commission européenne. Ce n'est pas une responsabilité, à part les services de traduction et d'interprétation. Mais dans le monde des recherches, il y avait des gens avant moi qui ont traité ces sujets, mais sans qu'il y ait une réaction de la part des décideurs. Et c'est ça que j'ai essayé de faire. Mais quand même, quand on écrit un livre, le problème, c'est que les politiciens, ils veulent avoir 2-3 pages qui expliquent la chose. Et les choses sont compliquées dans le domaine de l'aménagement des langues, des droits linguistiques. Et c'est pourquoi j'ai écrit tout un livre. Et je suis énormément reconnaissant du fait que c'est uniquement les espérantistes idéalistes qui ont pris en charge le travail énorme de faire une très bonne traduction du livre. Et il n'y a pas eu des gens avant qui l'ont fait. Et par exemple, en Allemagne, je connais une personne qui a traduit 2 chapitres et qui a envoyé ça à une maison d'édition. Et la réponse de la maison en Allemagne, c'était « Ah, mais tout le monde en Allemagne... qui s'intéresse à ces choses, lit l'anglais. » Mais ce n'est pas vrai. Et c'est la même chose en France. Parce qu'il y avait des personnes, il y a 15 ans, qui ont essayé de faire une traduction acceptée par une maison d'édition française. Et la réponse également, c'était que le sujet a été traité déjà dans des livres en France, ce qui n'était pas du tout le cas. Il y a un peu dans les livres, par exemple, de Louis-Jean Calvé, mais personne n'a pas fait une synthèse. Une idée totale des défis et pourquoi il y a certains défis. Merci. Vous avez répondu en partie à ma prochaine question. Je voulais vous demander, comment expliquez-vous qu'aucune autre traduction n'ait été faite, ni dans une autre langue officielle de l'Union européenne, ni dans une langue régionale existant en Europe? Il y a sûrement beaucoup de raisons. D'une part, la traduction elle-même, que vous connaissez très bien après des mois de travail, exige énormément d'efforts. Et il n'y avait pas, par exemple, une maison d'édition qui voulait financer ce travail. Ça, c'est une chose. Il y a eu de grands défis, par exemple, en Espagne, après... que le fascisme a été éliminé.
Mais ils ont eu des préoccupations intérieures au pays. Bien sûr. Par exemple, les Catalans, ce sont des 8 millions de personnes. Tout à Et fait. ils n'étaient pas du tout contents que leur langue n'avait pas les mêmes droits que, enfin, par exemple, les pays de l'Est, avec une population moindre de 2 millions. Par exemple, les Litauens, Les Lettons. les Lettons, les Estoniens. Donc la question de justice envers langue a fait qu'il y a des experts, par exemple en Catalogne, pour les questions des langues, également peut-être les questions politiques, mais maltraitées la dernière année, parce qu'on a déclaré l'indépendance, n'a aucun effet, à moins qu'il y ait des États qui reconnaissent cela. C'est très bizarre que les Catalans ont fait comme ça, parce qu'ils ont réussi à garantir l'avenir de la langue, Tout à fait. de la même façon que le Canada a accepté que le français avait les mêmes droits que l'anglais. Et on a eu un grand débat, beaucoup de recherches, et puis ensuite la législation. Rien de ce genre de choses a été fait à l'intérieur des institutions de l'Union européenne. Et quand on commence avec quatre langues au début, en 58, si on trouve les papiers nécessaires, les Français ont essayé d'avoir un rôle spécial N'est-ce pas? pour le français. C'est vrai. Et ce sont les gens des Pays-Bas, surtout, qui connaissaient les problèmes à l'intérieur de la Belgique, qui était pays membre, qui ont dit non, 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 il faut qu'il y ait une langue au moins par État, chaque État. Et de cette façon, on a commencé avec quatre langues, avec les mêmes droits. Et ce sont les mêmes principes. Chaque fois qu'il y a eu une augmentation du nombre d'États membres, et c'est l'arrivée en 1973, 73, de la Grande-Bretagne, de l'Irlande et le Danemark, qui a fait que l'anglais arrive. Donc, mon livre est paru presque 30 ans après cela, et déjà à l'époque, c'était clair que s'il n'y avait pas des principes éclairés de justice linguistique, que le pouvoir de l'anglais à l'intérieur des institutions qui correspond à l'utilisation de l'anglais dans le domaine des commerces, des médias, Des sciences, de Oui, des l'éducation. sciences, de beaucoup de domaines à l'extérieur des institutions renforceraient la position de l'anglais et qui exigeaient une prise de compte de ce qui se passe. Et c'est ça pour moi, c'est décevant qu'on n'a pas exploré la chose après la parution de mon livre. Pour nous aussi, c'est décevant parce qu'en fait, les problème que vous aviez identifié, qui en particulier vous aviez bien mis l'accent sur les problèmes de l'élargissement, avec l'élargissement qui a eu lieu en 2004 et puis jusqu'en 2013, était en fait un facteur qui allait encore favoriser l'anglais. Vous l'aviez bien identifié et en fait, au niveau de l'Union européenne, nul n'a pris en compte l'avertissement que vous aviez rédigé pour traiter le problème. Et c'est décevant parce que sur les quatrièmes couverts du livre anglais au début, il y avait une recommandation d'une part des espérantistes, d'une part de la personne en Australie, Joseph Lobianco, qui est connu partout dans le monde parce qu'il a travaillé avec les questions de politique linguistique en Australie, en Écosse, en Amérique latine, partout dans le monde. C'est le mieux qualifié, Le plus le plus qualifié. qualifié partout dans le monde qui a dit que c'est un bon livre. En plus de ça, il y a une recommandation de la part du vice-président de Tout la à fait. Commission européenne à l'époque, un Anglais, Neil Kinnock, d'origine galloise. Sa femme était membre du Parlement européen. Elle a voulu utiliser le gallois. Je ne sais pas si Neil Kinnock l'utilise, mais on soupçonne qu'à l'intérieur de la Commission, lui, il était très content du fait que
l'anglais s'élargit Bien petit à sûr. petit sans qu'il y ait eu une prise de compte de ce qui se passe. Mais il y a quand même, j'ai une citation de lui qui dit, il faut que les décideurs en Europe agissent quand il y a un livre qui explique la nature de ces problèmes. Mais ça, c'est pas, ça n'a jamais a lieu. Non, ça n'a jamais eu lieu. Au lieu, C'était un vœu pieux. oui, justement. Et c'est peut-être une bonne chose qu'il y a une recommandation d'un vice-président de la Commission, mais c'est peut-être un malheur que c'était un Anglais qui était monolingue Oui, et que peut-être. quelques-uns ont reconnu que il a dû faire ça comme représentant de l'Union, mais que son cœur n'était pas avec les implications de ce qu'il y avait dans le livre. Oui, probablement, 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 oui. oui. Je ne le connais pas. Mais son fils est maintenant homme de politique en Europe et son fils a épousé une dame qui est devenue premier ministre au Danemark. Au Danemark, le Danemark où j'ai habité beaucoup d'années, c'est un pays très anglophone où il y a le même défi de créer un balancement entre la langue nationale et les langues internationales. À l'époque, surtout l'anglais, ça aurait pu être l'anglais, français, allemand avec les mêmes Oui. utilisations. Par exemple, il y a toujours eu un placement du français et l'allemand grand dans les écoles, à l'université également, des milieux des chercheurs pour ces langues également. Mais tout cela se réduit progressivement d'une façon alarmante. Mais au niveau national, dans les 5 pays nordiques, c'est-à-dire les pays scandinaves et le Finlande, les gouvernements ont voulu assurer l'avenir de toutes les langues. Surtout au niveau national, mais c'est la même chose quand on pense à l'utilisation des 24 langues des États membres. Et c'est vrai que les institutions, les services de traduction et interprétation fonctionnent assez Fonctionne bien, bien, oui. assez bien, même s'il y en a 24 langues au moment actuel. Mais ça, c'est pour les produits finaux. C'est tout le travail informel, l'utilisation de la préparation des lois, des déclarations, d'énormes quantités de sujets qu'on traite toujours. Par exemple, c'est connu qu'il y a l'interprétation pour une quarantaine de Conférence réunions, de réunion. chaque jour de travail à l'Union européenne. C'est quelque chose de très, très compliqué. Mais de cette façon, si c'est laissé faire, c'est la grande langue qui est privilégiée. Et les privilèges, en principe, ne doivent pas avoir lieu dans une coordination entre 28 pays qui ont les mêmes droits. Oui. Robert, le parti politique que je représente aujourd'hui, Europe Démocratie Espéranto, a été créé en 2004, dans la perspective des élections européennes, afin de porter deux questions à la connaissance du public. La première, c'est le manque de démocratie au sein des institutions européennes. La seconde, c'est de proposer l'espéranto comme solution au problème, partie de la solution au problème linguistique au sein de l'Union européenne. En cette année 2019, les élections européennes vont de nouveau avoir lieu. Nous allons voter pour nos députés. Si nous pouvions avoir votre avis sur les recommandations prioritaires que vous voudriez voir prises en compte par les députés de l'Union européenne, quelles sont-elles et s'il n'y en avait qu'une à retenir, laquelle? C'est deux grandes questions. C'est clair qu'il y a énormément de problèmes dus au manque de démocratie. Parce que l'Union européenne, c'est quelque chose de nouveau. C'est une combinaison d'États qui ont été très heureux d'être libres, individuels. Mais le fait que la quantité de gens qui votent dans les élections pour le Parlement européen a baissé pour chaque fois dans tous Oui. les pays membres, d'une façon extrême,
des pays qui ne sont pas là que d'une dizaine d'années, surtout les pays de l'Est de l'Europe, mais également dans tous les États membres. Oui. Le fait que Brexit a lieu actuellement est également un exemple que la population en Grande-Bretagne n'a jamais eu une identité européenne explicite et qui est basée sur une compréhension de ce que fait l'Union européenne. Donc il y a énormément de défis de démocratie à l'intérieur de l'Union européenne. Et la construction même, le choix des commissaires est quelque chose que les chefs d'État décident en privé. Il n'y a rien de démocratique de la fête. Et ils sont là pour une période de 5 ans. Et ensuite, 2 semaines après, ils travaillent pour les banques multinationales. Et vraiment, il y a beaucoup de choses qui sont choquantes dans la façon selon laquelle la Commission fonctionne. C'est peut-être possible que le Parlement n'est pas tout à fait la même chose, mais il y a beaucoup de corruption au Parlement. Et en tout cas, toutes les personnes, les parlementaires et les eurocrates sont beaucoup trop payés, c'est sûr. Donc il y a énormément de problèmes. Donc on ne peut pas avoir une solution au manque de démocratie dans tous les domaines. La combinaison avec l'espéranto est intéressante parce que NETOP, c'est un mouvement démocratique. Au début, une question de langue et une question de la paix. C'était l'idée de les gens pouvaient s'entendre quand c'était des gens de toutes différentes nationalités, différentes identités ethniques et ethno-linguistiques. Et c'est une merveilleuse idée qu'on a prise au sérieux en 1920 pour la construction d'une nouvelle Europe. Il y avait une douzaine de pays qui a pris l'espéranto au sérieux. Et malheureusement, c'est surtout les Français qui n'ont pas voulu et oui. Qu'on donne une position privilégiée. Comment ça s'appelle, League of Nations? C'est la Société des Nations. Il y avait des recommandations que ça devrait être une langue de travail, là. L'anglais est devenu droit international dans les conférences de paix après la Première Guerre mondiale à cause du fait que les Américains étaient là tout également. Parfait. Jusque-là, le français avait une position privilégiée dans les interactions internationales. Après 1919, c'était parallèle, l'anglais et le français. Donc, les Anglais ont su que si on acceptait l'espéranto avec les mêmes droits que l'anglais et le français, ça pourrait peut-être réduire les chances pour l'anglais. Qui sait? On ne sait pas. Mais c'est vraiment dommage que les gens qui rejettent l'idée de l'espéranto ne sont jamais pris le temps de avoir une idée plus informée de ce que c'est l'espéranto pour des millions de gens partout dans le monde. Des centaines de familles où il y a l'espéranto comme langue maternelle avec une langue nationale ou une langue minoritaire dans un pays. Donc il y a un manque d'enseignement, il y a un manque de connaissance de la chose. Il y a 5 pages dans le livre où j'explique un peu ces affaires et l'idée de prendre l'espéranto au sérieux comme possible projet est expliquée. Oui. Parce que je connais beaucoup d'espérantistes et je connais un peu son histoire. Et je sais que j'ai vu comment ça fonctionne dans des conférences internationales avec des Asiatiques. Et on sait également que, par exemple, les gens de Corée, Chine, Japon ont beaucoup de difficultés à apprendre l'anglais. Oui. Et l'espéranto est plus facile à cause du fait que c'est une langue logique et qu'il y a très peu de règles grammaticales qui sont faciles. Et
l'interaction entre le mot parlé et le mot écrit est aussi Très simple, petit oui. et simple que ça peut être. C'est une construction brillante. Et c'est assez facile pour un Européen d'apprendre à Tout à lire fait. l'espéranto. Parce que c'est basé surtout sur les langues européennes quant au vocabulaire. Tout à fait. Mais comment on peut persuader les personnes qui ont une responsabilité politique C'était ça ma nationale? question. C'est très difficile. Il y a un commissaire, je crois, il est litauen ou polonais, qui Il utilise est l'espéranto. lituanien. Lituanien, oui. Il y a toujours des individus au Parlement. Il y a eu des débats au Parlement européen sur ce sujet plusieurs fois. Il y a même l'acceptation de l'UNESCO comme langue valable et à l'UNO également. On a pu avoir une reconnaissance dans plusieurs D'instance, instance. institutions. Oui. Donc, le défi, peut-être avec une combination, avec une vote politique, par exemple pour le Parlement européen, ça peut être une brillante combinaison de ces deux choses qui sont là dans votre question. Ça, c'est quand même très intéressant comme question politique, intellectuelle, de combiner de cette façon. La seule chose, c'est si on peut convaincre assez de gens pour voter pour ce parti. Mais il y a plus de chances qu'une partie peut avoir du succès avec cela pour les élections au Parlement européen qu'une élection nationale, à moins qu'il y ait une situation de, comment ça s'appelle, que les voix, les votes montent d'une façon nationale. En Angleterre, c'est first past the post dans toutes les élections. Au Scandinavie, c'est tous les voix comptent. Et même, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de partis dans tous les pays nordiques, beaucoup de pays, parce que si on a une certaine quantité de voix, on est reconnu. Ce n'est pas le cas en Grande-Bretagne. C'est très difficile d'avoir des partis nouvelles, d'avoir une place au Parlement. En France, c'est la même chose. On dit Oui. qu'on a un vote à la majorité, Oui. j'ai oublié l'expression, et en fait, ça veut dire qu'on fait en sorte qu'en France, on ait des majorités bien représentées au Parlement pour que ça puisse être des partis de gouvernement. Donc, en fait, on n'a jamais d'élection directement à la proportionnelle en Non, France. c'est le vote proportionnel. Ça n'existe pas en France. En théorie, En théorie, oui. c'est un mode de scrutin qui est connu, mais ça n'est pas un mode de scrutin appliqué. C'est une réalité dans beaucoup de pays. Oui. Voilà. Merci Mais ça, beaucoup, oui. Robert Philipson. Je Est-ce que m'excuse vous... un peu pour mon français parce que je ne l'utilise pas tous les jours. J'ai travaillé en Algérie en français pendant beaucoup d'années, mais c'était il y a une cinquantaine d'années. Donc, il y a quand même un décalage là. Mais je peux vous remercier tout de même de votre français qui est Oui, tout à et fait je. compréhensible et de votre présence avec nous à Paris. C'est un grand plaisir pour moi et c'est vraiment un succès pour les idéalistes que sont les espérantistes, y compris les trois personnes qui ont fait ce grand travail. Et de cette façon, c'est un privilège de l'éprouver et d'être ici. Merci beaucoup. À vous de même. Merci. Oui. Ho Europo, hei monia, tro dauradis la divi, nombrile gubelo via, ciu estas vi.